Bonsoir, vous m'avez sûrement vue absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement, mes mots, c'est de vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour, qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille, qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'avez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra, un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé. Le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. Là, je suis à Trois-Rivières, là où elle habitait, à l'hôtel, mais demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message était, c'était pour vous dire merci. J'ai reçu tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté, merci. Merci, merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi, même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. C'est qui m'arrive. Même à mon pire ennemi, même à la personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive à moi. À Dieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible a dit que Dieu, le Dieu, est seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut bon et pas l'accepter. Mais on se plie à sa volonté. Mais pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui l'ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis de ne pas pleurer, de prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était et qu'elle voit la lumière, que le Seigneur l'accompagne, parce que je sais que le Seigneur est avec elle, le Seigneur est avec mon bébé. Je vous dis merci. J'ai sûrement pas voulu Internet, les réseaux sociaux. Mais la tragédie m'a amené là. Je vous dis merci. Merci au monde entier. Merci aux Africains du Canada. Merci aux Africains de l'Afrique. Merci
même aux Blancs, aux Occidentaux, même aux Canadiens qui ont été là pour ma fille, qui ont prié pour qu'on la retrouve en vie. Mais je vous assure une seule chose, la justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre. Ce que je ressens dans mon cœur, personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut avoir une idée de ce que je ressens, de ce que j'ai vu en ce moment même. Mais la réalité est là. Mon bébé n'est plus. Ma princesse n'est plus. Tous ceux qui l'ont envoyé beaucoup d'amour, sachez qu'elle l'a reçu. Elle l'a reçu. Parce que je lui ai parlé. J'ai eu le temps de rester à la morgue avec ma fille. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai levé mes mains. Et j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'à toi la vengeance. Tu as dit à toi la vengeance. Que moi je ne dois pas me venger. Tu as dit à toi la vengeance. Si moi, si c'est toi Dieu qui m'a donné cet enfant, si c'est toi Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que j'ai pris, le Dieu qui m'aide à avoir 100 francs dans ma vie, si c'est toi qui m'avais donné cet enfant, Seigneur Dieu, que ta justice divine soit faite. J'ai pas le temps pour la haine. J'ai pas le temps pour répondre à ce que ma famille me dise de gauche à droite, que les gens de mauvaise gueule disent. Non. De nature, déjà, je suis une personne qui a un mental d'acier. Oui, là, c'est vrai, je suis à terre. Mais vous tirez quelqu'un qui est à terre, c'est pas grave. Pour le moment, je vais me concentrer à chercher la justice pour mon bébé. Et elle a ramené chez elle, là où elle sera, là où elle aura une adresse, où toute sa famille, toutes ses mamans et son oncle Francine Jondo iront le voir. Et tous mes amis, et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Qu'est-ce que je devais venir sur Internet vous dire pendant ce temps que vous ne me voyez pas? Que je viens de vous dire que votre fille n'est plus, puisque vous l'avez vue sur Internet. Chacun de moi a une façon de vivre son deuil. Et je suis la maman d'Alexandre. Je demande à Dieu de me donner la force. Je demande au Seigneur de me donner la force. Et j'ai demandé même à ma fille, j'ai dit, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'apaiser, d'apaiser cette douleur, de continuer sans toi ma vie, mon essentiel, mon bébé. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Et pour tous ceux qui croient en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu parce que vous avez prié pour qu'on retrouve Alex en vie. Et que ça n'a pas été le cas, non. N'arrêtez pas de croire à votre Dieu. Parce que c'est lui qui a voulu. C'est lui, il a voulu et sa volonté a été faite. On a du mal à l'accepter, n'est-ce pas? On a du mal même à le tolérer. On a du mal.
Mais on se retrouve devant le fait. Le fait est là. Le fait est là. Je suis arrivée devant la porte de la morgue. On a ouvert la porte. J'ai vu mon bébé étalé. Je lui ai dit, je t'attendais. Je voulais te voir à l'aéroport. Tu n'étais pas là pour me recevoir. Tu n'étais pas là pour me faire câlin. Oh, oh, oh. Maman, pire ennemi, je ne souhaite pas. Je vous dis juste merci. Le mot que je voulais dire, c'était vous dire merci. Et continuer de mettre Alex dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de mettre ma famille dans vos prières. Je vous aime beaucoup. Peu importe qu'on ne se connaît pas. Peut-être cette tragédie fera qu'on va se connaître. On fera connaissance. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'ai dit merci. Merci au président de la République. Merci à notre héros numéro 1 de la République. Merci à la distinguée première dame. Ils m'ont reçu. Et ils ont promis de m'amener ici, de m'envoyer ici pour venir suivre tout pour ma fille. Que ceux qui disent que l'argent, elle a reçu l'argent, elle a reçu ceci. Même une ville entière ne remplacera pas mon bébé, n'apaisera pas mon cœur. Je pensais qu'il y a des gens, on peut être pauvre financièrement, mais être pauvre en esprit, c'est tellement honteux, c'est tellement horrible. Comme je dis, je n'ai pas de place pour la haine. Là, en ce moment, c'est la tristesse qui m'anime. C'est la tristesse qui m'anime. Je vais être là. Pour le temps qu'il faudra et faire ce que je suis censée faire pour ma princesse avant de la ramener. Je vous aime beaucoup. Que le mot que j'ai pas réussi à dire ou que j'ai pas dit, comprenez-moi. Parce que j'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo. Tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. Continuez de m'envoyer vos prières. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. 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 Du fond de mon cœur. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Je vous aime beaucoup. Merci.